également en présence de Laurent Moreschi. Laurent Moreschi qui était également un des entraîneurs de l'équipe de France. Tu entraînes qui à l'équipe de France? Donc moi dans l'équipe de France j'entraîne Solène Ndama. Solène Ndama. Championne d'Europe il me semble sur les haies, c'est ça? Alors championne d'Europe junior en 2016 sur les haies et troisième au championnat d'Europe à Glasgow en salle, en senior, en étape. Donc il y a déjà du palmarès. Alors dis-moi Laurent, c'est quoi pour toi les enjeux vraiment d'un stage comme ça de 12 jours ici à La Réunion? Alors c'est de venir chercher le soleil et puis de se dépayser, d'aller chercher autre chose, aller chercher d'autres limites et puis c'est toujours plus facile en année olympique de prévoir loin, de commencer à travailler loin de la date pour être le mieux possible au mois d'août l'année prochaine parce qu'en année olympique l'objectif est clairement établir les Jeux olympiques. Aller chercher les performances et les JO. Donc si je comprends bien, c'est vraiment se préparer le plus tôt possible de manière à être le mieux préparé possible en fait, c'est ça? Plus on va commencer tôt la préparation, plus on va pouvoir faire des modules, plus on va pouvoir faire des cycles. D'accord. Et on est censé être plus fort. Bah oui, forcément. Ça fait combien de temps que tu entraînes l'équipe de France maintenant? Alors moi, je suis rentré en équipe de France en même temps que Solène, donc 2017. D'accord, donc ouais, ça fait déjà 3 ans que tu entraînes l'équipe de France, t'attaques la 4e année là. Ouais. Ok, et bien espérons que Solène soit sélectionnée pour les JO. Ah, on espère, et puis on priera pour avoir des belles perfs. Ouais, merci. Bah, je te remercie beaucoup. De rien. Gaëtan Blouin qui est l'entraîneur de l'équipe de France. Bonjour Gaëtan, comment ça va? Ça va et toi? Ben, ça va très bien, je te remercie. Alors vous êtes venu vous entraîner ici à La Réunion, pourquoi exactement? Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà on connaît La Réunion depuis très longtemps dans les épreuves combinées, on connaît les conditions, on connaît l'accueil, on connaît les installations et en plus ça tombe très très bien cette année parce que les conditions météo de La Réunion se rapprochent très fortement des conditions qu'il y aura à Tokyo. Donc histoire de faire un petit test event à grandeur nature, de la chaleur, de l'humidité pour les athlètes, la récupération, etc. Ok, donc de l'acclimatation en fait au final. Tout à fait. D'accord, ça fait combien de temps que tu entraînes pour l'équipe de France? Pour l'équipe de France, des jeunes jusqu'aux plus vieux, ça doit faire maintenant une dizaine d'années. Ah ouais, donc un gros bagage quand même, une sacrée expérience. Ah ouais, on vieillit. Le temps passe, on l'arrête pas. Et alors, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Qu'est-ce que tu attends toi des athlètes avec le stage de 12 jours ici à La Réunion? Quels enjeux ça engendre automatiquement? Bah, les enjeux, en fait, c'est surtout pour eux, c'est qu'ils puissent se préparer au mieux, qu'ils soient au top cet hiver, qu'ils puissent peaufiner leur préparation, faire monter un peu la forme. Donc voilà, c'est leur permettre cette continuité qu'ils ont dans l'entraînement tout au long de l'année. D'accord, ok. Bah, je te remercie beaucoup Gaëtan. Merci à toi. Et bon courage pour le fait de la fin du stage. Salut. Comment ça se passe pour toi ici? Bah super, on contrôle tous les jours les organismes, vérifier qu'il n'y ait pas de petits bobos qui se reproduisent d'un jour sur l'autre. On optimise la récup, on leur fait des petits rappels sur l'hydratation, sur le repos, sur les étirements. C'est aussi un stage privilégié en termes de nombre d'athlètes pour faire du travail fin et individualisé. Mmh. C'est l'occasion de les suivre sur tous les entraînements, les muscu, les courses, pour échanger avec les athlètes, les entraîneurs et essayer de pointer des petits points de détail qui peuvent leur donner des petits déclics et les aider soit dans la performance ou dans la prévention. D'accord, donc ton rôle toi en fait ici c'est vraiment de prévenir les éventuelles blessures et guérir celles qui peuvent survenir, c'est ça? C'est ça, le but c'est de pister d'éventuels déficits ou de petits ajustements à rajouter dans l'entraînement. C'est vrai que c'est aussi le but de ce stage, c'est de soumettre leurs organismes à des conditions climatiques intenses, parce que même les Réunionnais ont du mal à faire du sport, alors les métros, voilà. Oui, fait chaud, hein. C'est ça, fait chaud ici. Hein. Le but, c'est voilà, de tester l'adaptation de leur corps aux charges de travail dans des conditions intenses qui vont être proches des conditions du prochain grand championnat qui les concerne, c'est-à-dire les Jeux. C'est très riche dans la réflexion pour nous en tant que cliniciens par rapport à ce qu'on peut pister et éventuellement les petites choses qu'on peut leur apporter et de mettre en relation notre vision de médical avec la vision du geste technique sportif où on ne cherche pas forcément la même chose et du coup il y a certaines fois où ça peut être intéressant
D'autres fois, le coach nous explique pourquoi il veut travailler justement d'une autre manière. Et voilà, ça permet de faire un petit mélange pour essayer d'optimiser leur performance. Ok, ça marche. Bah, je te remercie beaucoup, Alex. Bah, merci. Et bah, vous l'aurez...